Allez-y. Il n'est que 10h30 et déjà Yves Auvinet célèbre son deuxième mariage de la journée. C'est sûr que l'entente qui cimente... Depuis qu'il est maire, il préside ainsi 25 à 30 unions par an. Et pour lui, chaque cérémonie est unique. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Pour moi, ce n'est pas une formalité. Chaque mariage a un petit peu son essence, sa valeur, et je crois que c'est important en fonction des jeunes qui se marient, ou des mariés tout simplement, de respecter un petit peu le contexte familial lorsqu'on le connaît, et aussi de donner un peu de caractère, même dans la simplicité, à la cérémonie. Lors des cérémonies, et même avant, lorsqu'il rencontre les futurs mariés, Yves Auvinet aime insister sur l'importance de cette union. Sa fonction d'officier de l'état civil, c'est probablement la facette de son rôle de maire qui lui tient particulièrement à cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, on banalise tellement de choses qu'il me paraît très important que cette célébration civile du mariage soit mise en avant et bien expliquée aux jeunes qui s'engagent, de façon à ce qu'on ne considère pas ça comme quelque chose de banal. Lorsqu'il n'est pas maire de La Ferrière ou président de Trivalis, Yves Auvinet est éditeur dans une librairie en lien très étroit avec le diocèse. Éditeur d'ouvrages religieux mais aussi de romans et de récits profanes. Une troisième activité qui lui rappelle qu'il est parfois un peu difficile de tout concilier, surtout après 3 semaines de repos, loin de tout tracas. Je crois que tout le monde se retrouve un petit peu confondu à la même problématique parce que tout repart en même temps. Alors que ce soit au niveau des réunions, que ce soit au niveau des rendez-vous... des dossiers qu'on peut avoir ici ou là. Certes, on est dans la suite et dans la logique de ce qu'on a laissé quand on est parti, mais à la fois, on voit bien que chaque rentrée, c'est toujours un petit peu la galère, entre guillemets, pour l'agenda et tout. Lui préfère prendre ça avec philosophie. Très serein, il sait qu'il peut compter sur ses collaborateurs les plus proches en son absence, avant de reprendre, pour une nouvelle année, les commandes du navire. On n'en a pas, puis là non plus.